Salut les dresseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une ETB célébration. C'est trop trop bien. Ce sont les 25 ans de Pokémon. Alors, j'ai 28 ans, bah comment vous dire? Ça fait trop bizarre, je suis née 3 ans avant Pokémon. Wow, c'est juste... voilà quoi. Oh, c'est trop bien. Du coup, je suis trop, trop, trop contente. Franchement, bah voilà, je suis toujours restée de toute façon dans Pokémon. Hein. J'ai comme beaucoup fait une pause niveau collège, parce que au collège, bah t'as pas le droit de dire que t'aimes Pokémon, hein, sinon tu te fais littéralement flinguer et lyncher. Mais voilà, et du coup, bah j'avais repris quelques années plus tard au lycée, assez tôt au lycée au final. Et du coup, voilà, j'ai quasiment jamais, 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 jamais lâché les cartes Pokémon. Donc je suis vraiment, mais oh, tellement contente, je suis super heureuse. Ah, je suis franchement trop contente. Alors attendez, j'ai oublié un petit truc. Bouge pas. Tac. Voilà, parce que je me suis fait une petite ouverture hors caméra. De toute façon, malheureusement, je risque d'ouvrir pas mal de choses hors caméra parce que mon chéri aime bien qu'on se fasse des ouvertures, mais pas que je filme pendant qu'on les fait tous les deux. Donc voilà, je ferai des ouvertures que je ne vous montrerai pas, mais bien entendu, je vous prendrai les photos de mes voilà, de mes des résultats. Alors hop, le petit cahier. Oh là là, célébration, célébration. Ah, des cartes. Oh, franchement, mais ça fait trop plaisir de revoir des vieilles cartes, quoi. C'est même si je pense qu'en Ultra, ils auraient pu mettre vraiment des plus vieilles. Niveau X, ça passe. X, bon, j'ai envie de dire, ouais, à la rigueur moyen. Mais GX, non, quoi. C'est trop récent encore. Ça passe point, ça passe pas. Donc, nous avons la collection complète derrière. C'est trop, trop bien. Alors, du coup, les secrètes sont avec un XSO. XS, alors il y a qui en secrète exactement? On a peut-être qu'une seule remarque. Étoile C, c'est quoi? Collection classique. Ok. Sympa. Ah, il y a même une Xerneas. Ok, sympa. Étoile S. Where is étoile S? Il y en a qu'une. Ok, en fait, il y en a qu'une, c'est la Mew. Hop, c'est la petite Mew Gold. Et les autres, en fait, c'est de la collection classique. Donc, ça fait super plaisir. Alors, personnellement, collection classique, objectif. Bon, on va dire Dracaufeu et Tortank. Voilà, c'est juste pour voilà. Le Pikachu anniversaire, parce que franchement, il est trop beau. Le Magikarp, parce que je l'adore, mais vraiment énormément. J'ai envie de dire Karchakrok, mais Karchakrok, je l'ai eu, donc c'est cool. Luxray, voilà, un petit Luxray. Le Noctalistar, qui n'est jamais sorti en française, les amis. Donc c'est vraiment une carte à avoir. Et là-dedans, bah, peu, personne en fait. Personne. Voilà. Donc c'est parti. Alors je vous avoue que je m'étais pas renseignée totalement sur le nombre de cartes dans les boosters. Donc du coup en fait quand j'ai vu qu'il y avait que 4 boosters, 4 cartes dans les boosters, je me suis dit mais merde quoi. Je me suis dit mince mais non. C'est moche, c'est très très moche. Ah les petites sleeves. Trop bien. C'est trop trop cool. Donc du coup en fait c'est pour ça que dans certains coffrets, vous allez vous retrouver en fait avec un nombre de boosters un peu explosé. Dans le sens où en fait, bah voilà, vu qu'il n'y a que 4 cartes, et ben c'est rien par rapport aux 10 cartes normalement qu'il y a habituellement. Donc c'est pour ça qu'ils ont bien rempli au niveau des boosters. Oh putain, en plus j'ai dégagé ça. Non mais attendez, j'ai oublié de vous montrer la carte promo qui était dans la dans le TB quoi. Alors nous avons cette petite Amphinobistar. Voilà. Oh. Elle est vraiment super classe. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Elle est vraiment trop bien. Je crois qu'elle a... Ouais, non, elle a pas de défaut. Elle a pas l'air d'avoir de défaut. Bon, après, de toute façon, elle sera toujours dans son... Ah, si, elle a des défauts. Eh ben, c'est pas grave, je m'en fous. Elle a des bords blancs. Elle a les bords qui sont là. Non, vous allez pas le voir, mais elle a les coins qui sont blancs. Bon, après, je m'en bats un peu les couilles. Les cacahuètes. Voilà, de toute façon, elle restera toujours dans son plastique. Je suis trop contente. Hop, alors du coup on va ouvrir les boosters classiques parce que c'est quand même on va dire c'est pas le moins intéressant mais voilà. Donc on a 3 styles de combat, ça fait plaisir parce que style de combat j'en ai pas beaucoup ouvert. 2 règnes de glace, la dernière extension c'était quand même évolution céleste, il aurait pu mettre un peu d'évolution céleste. Je suis un peu déçue, c'est pas grave. Allez c'est parti, style de combat. On va voir ce que cette ETB vaut réellement. 2, 3, 4. J'ai eu un gros bug. Ça, j'ai eu un gros souci.
Tac. Alors, on commence avec un petit Chétiflore. Archéomyrrhe. Deux Archéomyrrhes. Cornèbre. Hippotrempe. Cerebou. Énergie feu. Vortente. Ouh, oh, il est magnifique. Alors, lui, je suis pas sûre de l'avoir. Rapace de pique. Gros ray. Il est monstrueux. Raid en reverse avec un autre tilleray derrière. Et pouf! Prismillon qui est toute mignonne. Elle est tout cute. Elle est tout cute. Tac. On va. Ouais, ici vous voyez à peu près. Parce que c'est. On va quand même essayer de mettre derrière toutes les tous les boosters, toutes les ouvertures, toutes les cartes des 25 ans. Donc celle-ci, ouais, je les mets vraiment au bord, voilà, pour qu'on les voie le moins possible. Alors, ce qu'il y a dans le TB. Alors, n'empêche, je vous ai pas dit ce qu'il y avait dans le TB, je m'en souviens même plus. Alors, il y a 10 boosters du coup célébration, donc ça fait 40 cartes célébration, au final, c'est pas tant que ça. Et 5 boosters, voilà, supplémentaires. Ils ont rajouté pas mal de boosters supplémentaires un peu à droite, à gauche, hein, pour compenser quand même. Hop. Alors, du coup, Ferrosinge, Grillpate, Balbuto, Charpentier et Crapence, Énergie Psy, Fermite, Moustard Steel point final, Sarah, en reverse. Ouh! Oh, il est magnifique! Oh, il est super beau! Ah, je l'adore, je l'aime! Et mon tracé. Oh là là! Une reverse et une holo. Moi, que de demander de plus! Rien du tout. Ah, c'est peut-être un petit Dracaufeu. Bon, vous savez que Dracaufeu m'aime pas, donc je pense que je ne l'aurai pas, mais on va essayer d'espérer un petit peu. Vous voyez, pour cette ouverture, il faut espérer. On va espérer un peu. On va essayer de demander un peu plus que ce que je demande habituellement. Hop! 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc pour le moment, c'est pas. On va dire que c'est pas forcément très très joli. Ça aurait été des boosters normales, ça aurait été un peu moche, mais bon, tant pis. Hippotrempe. Ferrosinge. Ramolos. Un peu plus de clarté dans cette ouverture. Non, pas de clarté. Tu n'aimes pas le Ramolos? Pourtant, il est mignon et en plus, il y a une mignonne petite bouille. Mimantis. Remoraid. Énergie Psy. Recycleur d'énergie, urne de vitalité. Oh mon dieu. Alors ça, elle est un peu bizarre. Ouvrifié. En reverse, Corbos. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et Prout. Ouh. Nous avons du beau Necrozma V. Oh, elle est classe. En plus, avec le V qui est ultra brillant comme ça, mon. Il me semblait pas que le V était surligné comme ça dans les autres extensions. Ah, c'est cool. Alors attendez, parce que du coup, en fait, j'ai pas sorti mes protège-cartes. Protège-cartes. C'est bon. J'ai protège-cartes. Check. Waouh. Ah, elle est classe. Elle est classe. Necrozma, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Je suis contente. Eh ben, c'est pas mal. C'est cool. C'est vraiment bien. Super, une nouvelle ultra, je pense pas que je l'avais, quoique Necrozma, même assez bien, donc c'est possible que je l'ai déjà. Je sais plus. De toute façon, je verrai pas ça aujourd'hui. Le plus important, c'est quand même les célébrations. Alors, on fait les deux règnes de glace et c'est parti. Là, voilà, c'est la petite entrée, le petit amuse-gueule, et après, le sérieux va commencer. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, c'est parti. Poule, paf. Hop, allez, montre-moi ton plus beau. Hop, voilà. Morpheo, Bibichute, Galekid, Tarsal, Énergie Foudre, Lona, Scoboline, Narcisse, en reverse, Aspicot et Sepiatros. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, le deuxième. Et ensuite, on attaque le sérieux. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je suis prête. Et franchement, j'ai super envie d'ouvrir. Alors, au début, je comprenais pas pourquoi les gens ouvraient énormément de boosters. Mais en fait, c'est compréhensible que, en fait, ils ouvrent énormément de boosters et qu'il n'y ait pas tant de cartes à la fin, parce que... parce que, en fait, il n'y a que 4 cartes. C'est 4 top. Rangourmand. Flambino. Topiqueur, énergie combat, gant désherbant, Saturnin, l'énergie en reverse, Sepiatros,
Non, c'est pas beau tout ça. Et pas l'artichaut. Ok, bon bah c'est cool. Allez, on va mettre les deux sépiatros. Tac. Et maintenant, on attaque. C'est parti. Le sérieux. Le sérieux, sérieux, sérieux. Alors, je vous ai pas dit ma dream list. En plus, je l'ai même pas faite réellement ma dream list. Alors, du coup, OO m'intéresse énormément. Reshiram, je le trouve quand même plutôt pas mal. Il est quand même joli. Ensuite, le Pikachu volant. VMAX, il est quand même super classe, il est super beau. Le Pikachu Surfer. Le Mew. Mew, il est super mignon. Xerneas, mais je l'ai eu, donc je suis contente. Ensuite, les autres ne m'intéressent pas plus que ça. Ici, Lugia, parce que Lugia, j'adore Lugia. Mew. Tortank. Voilà. Dracaufeu, ouais. Le Pikachu, Magikarp. Noctali qui est sympa. Karchakrok, j'aime énormément. Luxray aussi. Peut-être Gardevoir X. Je dis bien peut-être. Et là-dedans, la Xerneas parce qu'elle était belle, mais sans plus. Voilà. Voilà, ça a été ultra rapide. C'est parti pour 40 cartes célébration. Ouh, je vous assure, je suis. Ouh, je suis toute. Ouh. Ok, je suis désolée. J'ai ouvert. Ah, pourtant, je l'ai ouvert tranquillement. Hein. Oh, il s'est très mal ouvert. Alors, du coup, hop. Et du coup, il faut. Voilà, faire ça. Ta-ta-ta-ta. Alors, on commence avec. Ah, oh, notre petit Cosmovum. Il est chou. Il est chou. Alors, toutes les cartes sont holographiques, bien entendu. Zekrom. Ok. Pas mal, pas mal. Ok, Zekrom. Zamazentavé. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Et. Ah, et voilà la Team Rocket! Nous avons notre petite Team Rocket! Oui! Trop bien! Ah, c'est trop, trop. Oh, punaise, mais c'est tellement cool. Oh, de revoir ces vieilles cartes, mais sérieux. Au final, je ne sais même pas comment les ranger, comment les protéger. Je crois que je voulais toutes les protéger, de toute façon. Où sont les slides? Ah, je crois que je voulais toutes les protéger. Voilà, je pense que de toute façon il n'y a que 50 cartes, donc c'est pas non plus. Voilà. Hop, je peux bien protéger 50 cartes. De toute façon, normalement c'est des paquets de 60. Donc ça devrait passer. Fingernose. Oh, trop bien! Ah, le Zamazenta, je crois que je ne voulais pas montrer correctement. Franchement, les illustrations de Zamazenta et Zacian, oh, elles sont d'une beauté, mais waouh! Elles sont quand même très très jolies. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente, contente, contente. Oui! Ah, c'est trop bien. Donc du coup, elles auront un effet, ok, holographique comme ça pour les vieilles, je suppose. C'est pas mal. Ah, je suis contente, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Je suis trop happy, quoi. Là, je suis trop happy. Donc bien entendu, on n'est pas forcé d'avoir une ancienne. Alors, ils appellent ça comment? C'est quoi leur name? Ils appellent ça des. Alors, des collections classiques. Voilà. Des secrets. Alors, c'est même pas. Si. Ouais, on va. Non, ça s'appelle des collections classiques. Ouais, tout simplement. On va pas inventer un nom. C'est collection classique. Donc, c'est super sympa. Bon, du coup, je vais pas faire un. Ça sert à rien. Oh, Lugia! Petit loulou d'amour, oh il est trop beau. Cosmovum, ok. Donc je vais faire une pile après des, hop, des cartes que j'ai déjà. Gourdon, oh, je ne l'avais pas encore eu, c'est trop sympa. Oh, wow. Il a trop la classe. J'aimerais bien quand même vous la montrer d'un peu mieux. Au moins les personnages, parce que voilà. Hop. Trop bien. Oh, la recherche professorale, trop bien. Alors ça, par contre, je trouvais ça super sympa. Le fait d'avoir mis enfin, voilà, un Pokémon qui, enfin, un Pokémon, bah non, un personnage qui est un dessin qui sort en fait du cadre. Je trouve ça super sympa. C'est vraiment cool. Waouh. Wow. Alors là, je suis super contente. Il fait partie des quoi, des holographiques. Ok. Bon, de toute façon, elles sont toutes holographiques, donc j'ai envie de dire, voilà quoi. Trop bien. Allez, c'est parti. On protège. I protect you, to you. Hop, l'autre. Bon, je crois que je les protégerai qu'à la fin parce que en fait je perds quand même pas mal de temps à les protéger.
Hop, Loulou, Loulou, Lugia. Ouais, je vais protéger que les ultras. Et les autres, je les protégerai vraiment plus tard. Parce que sinon, en fait, ouais, on va perdre énormément de temps. Et le but, c'est pas de perdre du temps, mais c'est d'ouvrir. Voilà. Ah, ah, ah. J'ai mal ouvert. Très mal ouvert. Très, très mal ouvert. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, oh mon Dieu, cette beauté. Waouh. Mais la Xerneas, ça pète tellement. Elle est pétée au niveau design. Regardez-moi cette beauté. Oh, mon Dieu. Il est. Il n'y a même pas de mots pour le définir. Kyogre. Quoi? Ah, Cosmog. Trop bien. Oh, et Pikachu. Moi, je l'ai déjà eu, ce fat Pikachu. Je l'ai déjà eu. Hop. Donc, du coup, les protégés, on va les mettre au-dessus. Les non protégés, on va les mettre en dessous. Voilà. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, on continue. Type électrique. Ah, on n'en a qu'une électrique. Il n'y a que la Zekrom. Bon, bah, du coup, j'ai encore Zekrom. Zekrom qui va ressortir assez souvent, j'ai l'impression. Donc, du coup, Zekrom. Ah, Reshiram! Trop bien, enfin! Enfin! Reshiram, enfin! Enfin, mon Dieu, ils sont tellement beaux. Le design est magnifique. Enfin, on a du design travaillé, quoi. Enfin! Ah, oh, Groudon! Oh, trop bien! Oh, il est beau! Ah, et en plus, là, alors là, les amis, en plus, pour vous dire, alors malheureusement, le mien a un défaut, il a un point. Ah non, le point noir, il s'est barré, c'est bon. Du coup, en fait, l'effet relief est vraiment sur toute la carte. Toute la carte est en relief. Ça, c'est super beau. Et du coup, Lunala! Oh, mon Dieu! Ah non, là, désolé. La Groudon de Team Magma, faut que je la mette là. Oui! Oh, il est trop bien. Je suis trop heureuse. Beaucoup trop heureuse. Hop! Je vais m'asseoir parce que j'en peux plus. L'avantage de filmer par terre, c'est qu'on peut s'asseoir pendant qu'on filme. Ah, oh, je suis trop contente. Le gros don. Bon, c'était pas dans ma dream list, mais on s'en fout. On complète bien. Hop, on retourne. Turn around. Yveltal, trop bien. Oh, le Yveltal, mon Dieu. Alors, si le Xerneas s'y pète, le Yveltal. Hein. Voilà. Dialga, que j'ai déjà eu X fois. Loulou. Alors, Dialga, on va le mettre de côté. Lugia, de. Oh! What is that? Ah! Oh, mais trop bien! C'est exactement une que je voulais! Oh, le Pikachu Surfer! Oh, je l'adore! Je l'adore! Protect! Protection, protection! Vous avez dit, je le voulais ce Pikachu Surfer! Je le voulais! Je le voulais! Oui! Oh, il est trop bien! Il est trop cool! Hop, on va le mettre là. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Qu'est-ce que j'ai pas ouvert? Voilà. On va en ouvrir. Alors, je crois qu'on en a déjà ouvert 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a ouvert la moitié. Donc, c'est pas trop mal. C'est. Ouais, ça, ça, ça. Oh là. Ouh là là. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. C'est pas mal. Alors, sachant que je n'en garderai aucun de scellés, ça ne m'intéresse pas. Je vais tout ouvrir. Hop, en type O, il nous manquerait Palkia. Palkia? Oui! Palkia! Oh, c'est trop bien! On a notre petit Palkia! Je l'avais pas Palkia. Donc ça fait super plaisir. Reshiram, Cosmog, du coup, qu'on a déjà eu. Et. Lunala, qu'on a déjà eu aussi. D'accord. Bon, ok. Donc là, j'avais déjà tout. Bon, de toute façon, je pense que maintenant. en normal, en normal. Ah, j'ai pas eu Mew. Il me manque Mew. J'ai pas eu Mew Mew. J'ai pas eu OO. Alors attendez. J'ai pas eu Mew. J'ai pas eu OO. Et Solgaleo. Et en gros, il me manque Mew, OO et Solgaleo pour les holographiques normales. Donc il m'en manque pas beaucoup. Mew, Solgaleo et je ne sais plus. Alors du coup, on a Groudon. Ok. Notre petit Groudon. Lugia. Reshiram. Et. La recherche professorale. Ok. Donc on a déjà eu. Donc j'ai vu qu'il y avait une type si en première. Il faut espérer que ça soit Mew. Mew, 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 Mew. Je suis trop déçue. Il est le tal. Ah, I have one problem, but it's not my fault. Ok. La carte a été mise à l'envers. Et ben c'est pas grave. Ah, c'est trop bien. Oh là 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 là. Oh.
Ah, j'ai eu le faux professeur chien. Oui! C'est trop bien. C'est la troisième que j'ai de l'ancienne collection. De la collection classique. C'est... Non, c'est la quatrième. La quatrième, parce que la quatrième, vous l'avez pas vue. Elles sont classe. Elles sont classe. Elles sont quand même pas mal. Et voilà la team Rocket, le Groudon. Ça, le Groudon, il est cool. Quand même, le faux professeur chien. On peut en avoir d'autres. On peut en avoir d'autres. On peut en avoir d'autres quand même. Allez. Donc là j'ai vu un petit peu. Allez, oh. Allez, oh. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ça ne sert à rien. Cosmog. Bah si, on va pleurer. Je crois qu'il y a eu un problème dans mon dans mon OTB. Lecteur de roquettes. Ah, ça c'est classe. Ça c'est vraiment super classe. Parce que si je me trompe pas, voilà, l'extension n'est jamais sortie en France. Donc c'est trop. Ah, mais c'est mortel. Alors par contre, me mettre les vieilles collections, les cartes à l'envers, c'est moyen. Mais c'est sympa. Hop. Ah, trop belle. Hein. Oh, elle est vraiment sympa en fait. Ouais, c'est les vieilles illustrations, les vieux dessins et tout. C'est super. Bon, bah les amis, c'est le dernier booster. Hein. En tout cas, pour aujourd'hui. C'est le dernier booster pour aujourd'hui. Je vais en ouvrir d'autres, vous inquiétez pas. Et j'en ouvrirai d'autres, mais malheureusement, ce sera hors caméra. Mais je vais en ouvrir d'autres. No stress. Ouais. Kyogre! Mon petit Kyogre! Mon Kyogre! Oui. Alors, non, je veux que ce soit. Je veux que les gens puissent voir, voilà, la beauté de toutes les cartes. Oh, mais c'est trop bien! Super, du coup, il m'en manque plus beaucoup. Zekrom, ok, et pour terminer. Ah, la numéro 8, merde! Bah, pardon, excusez-moi, c'est la. Ah, mais c'est la Pikachu Surfer! Non! Non! Pourquoi? Pourquoi? Je sais que je te voulais, mais pas en double en fait. Bon, de toute façon, je vois que les Pikachu sortent assez facilement, donc voilà. Bah, en gros, il faudrait que j'échange celle-ci contre le Pikachu volant. Voilà, contre le petit Pikachu volant. Tito. Bon, bah les amis, c'est une bonne ouverture. Je vais vous montrer aussi l'ouverture. J'ai acheté une seule Minitins. Hop. Alors, dans la mini-tin, s'il y avait du coup un jeton, donc mini-jeton, hein, évidemment, moi, il a fallu que je tombe sur un jeton, voilà, complètement duke, bien griffé, avec un bon problème d'usinage. Magnifique. Et du coup, hop, la petite ouverture que j'ai eue. Donc, alors, attendez, je vais cacher quand même la plus belle derrière. Donc, j'avais eu du coup Dialga, Zekrom, Lunala. Kyogre, Xerneas qui est magnifique, Dialga encore une fois, le Karchakrok niveau X de cimetière, donc celle-ci c'est une pure beauté, je suis trop contente, elle est magnifique. Et du coup le Pikachu, bah, du coup en le Pikachu Alpharth, hop, Alpharth, full... bah non Alpharth de toute façon, hop, voilà, donc je suis super contente. Au final dans l'ancienne collection, la collection classique, et eh ben j'en ai eu pas mal, j'ai eu 4 cartes, non. Une, deux, trois, quatre. J'ai eu cinq cartes, ce qui est franchement pas mal. Je suis super contente. Et ben, c'est une bonne, un bon début de collection. J'ai franchement hâte de pouvoir ouvrir les autres. Je vais quand même essayer d'y aller un peu mollo et de pas tout ouvrir d'un coup, parce que je vous avoue que j'ai super envie de tout ouvrir. Mais on va éviter. Bah en tout cas, les amis, merci beaucoup de m'avoir regardé. Wow, franchement, le TB, juste magnifique. J'espère que vous avez réussi à obtenir au moins quelques coffrets, quelques petites choses. N'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des échanges, voilà, entre nous. Il n'y a aucun souci, hein. J'ai déjà fait plusieurs fois des échanges avec des abonnés. Tout s'est toujours très très bien passé. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas, dans Pokémon, il faut tous les attraper!